Mort de rire, bonjour, c'est trop tard. Annie. Salut Matox. Ok. Je vois de la mangrove. C'est pas inintéressant. Méga random la map. Putain, je peux pas caler. On peut pas coller le camp de bûcheron, c'est relou. Parce qu'il y a du sable en fait. Comment tu fais le glitch du cheval? Il faut utiliser les drapeaux comme je le fais en fait. Par contre, si je dis pas de bêtises, mon ami. Ah non, my bad, ok. Ok, il y a deux trucs de belle hein. Heureux Kios, il était bon ce bœuf bourguignon. Mais on peut pas aller en fait, on est sur une île là. J'ai l'impression. Il va falloir docker en fait. J'ai l'impression qu'il va falloir docker là. Ouais, il va falloir docker. Right. Ça c'est relou parce que du coup on sait pas qui docker. On peut pas voir qui sont nos alliés ou quoi. Enfin nos alliés, nos ennemis plutôt. Soit
Je pense que je vais, ouais, je vais faire des archers sur le mec qui est à côté de moi. Elle est vraiment bizarre cette map, hein. Vraiment, vraiment bizarre. Il y a plein de fiches. Ah bon, où ça? Ah ouais, non, mais ça, c'est des poissons. C'est des poissons côtiers. C'est pas forcément ce qu'il y a de plus intéressant. Pour récolter, en tout cas, c'est pas opti, je pense. Je sais pas. Ouais, si, peut-être faire quelques fiches, mais. Trop tard. Je suis à côté de Crying Wolf. Merci beaucoup, vieux péon. C'est très gentil, mec. Ta gueule, Kyrs. Je sais pas pourquoi, mais longtemps ça fait pas le même effet, c'est terrible. Putain de merde. Yasa kuka baginda.
Avoir un petit problème mon grand, je suis en train de prendre ta pierre déjà là. Yasa kuka baginda. Siap. Yasa kuka baginda.
J'ai tendance à pas trop comprendre. Ok, ça par contre j'ai bien compris. Putain, je perds mon main. C'est compliqué, hein. Swasti, Mamani.
Il n'y a pas de place pour construire des fermes. Cette map elle est trop chum. Je pense que je vais aller en finir avec. Parce que j'ai l'impression qu'il va pas me lâcher sinon. Et le problème c'est que Charles Fou il a un trop gros score en fait. Je confirme, il n'y a pas mâché. Apa chassa dan ya baginda.
Tu as deux reliques à porter. Ouais, je sais, je veux les prendre, mais en fait, à chaque fois, mon cerveau il va ailleurs là. C'est la merde. Siap.
Aku pemangun gedung. C'est quoi ça? Les unités qui se battent même pas. Oh, quelle map! Ah, mon cerveau il give up, hein, j'en ai marre. Il n'y a plus d'économie, c'est la merde. Aku pemangun gedung. Siap.
Didi, j'ai plus de pop. Ah, les Tarkon m'ont fait mal. Putain, mais quelle map! Wow. Ça, c'est la game, à mon avis, qui va durer 20 ans. Hein. Info sûre. Map de mort, de ouf. Quel game, mon gars, c'est abusé ce genre de map. Hein. C'est un cancer pour le cerveau, hein, vraiment. Je déteste ce genre de map, c'est terrible. Aïe, 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 aïe. Matt, par contre, il a l'air super bien parti. Je sais pas c'est qui, Matt, mais... Il y a quoi comme civ? Il y a les Turcs. En vrai, tant qu'il a de l'or, c'est ok. S'il reste rouge et bleu, il finit... Ouais, c'est ça le truc. Après, ils sont voisins, mais ils ont pas l'air de se fighter, là. Suppositoire. Qui a l'air d'avoir écrasé Rockafly. Il était bon chinois, il était très bon Vasectomy. Bonsoir monsieur, bonsoir madame. C'est quoi exactement Mega Random? Bah c'est un pack de maps totalement loufoque en fait. Tu peux avoir tout et n'importe quoi. Là typiquement t'as vu, les forêts étaient dans de la mangrove. Il y avait des petits chemins. Putain, en plus il y avait possibilité de docker pour les extrémités genre. C'est ouf. Ah ouais. Attends mais... Ok, donc certains peuvent ficher, d'autres ne peuvent pas ficher, accessoirement, visible, enfin, c'est ce que je comprends, genre. Mais, en fait, attends, je rêve où il n'y a que moi qui peut pas ficher. Le violet, il peut ficher. Lui, il peut ficher. Lui, il peut ficher, lui, il peut ficher. Lui, il peut ficher, lui, il peut ficher, lui, il peut ficher. Et moi, je peux pas ficher. C'est incroyable. What? C'est abusé. Ouais, c'est pas si grave, mais quand même, c'est un peu unfair quand même, on va pas se mentir. Je comprends mieux pourquoi il y a un mec qui a dit, ouais, il y a des poissons dans le... Il y a possibilité de ficher. Dans le chat, il y a un gars qui a dit ça. Mais... Pas pour tout le monde, visiblement. Faut bien un handicap. Bon, en vrai, la map en elle-même, hein, c'est un handicap, tu vois. T'as pas besoin de m'enlever les fiches. Même si tu me mets les fiches. Ouais, je suis pas fan non plus, Wolf. C'était juste histoire de changer un peu, mais c'est vrai que globalement, Mega Random, c'est dur. Moi, je suis pas fan de Mega Random, perso. Mais là c'est typiquement, enfin, admettons, tu vois, il reste le rouge et le Crying Wolf, le cyan, bah en fait, comment tu veux qu'ils aillent se fighter, hein? Enfin, c'est pas possible. Il faut qu'ils rebuildent une base du coup chez l'adversaire pour éviter d'avoir à tout transporter, c'est ultra chiant. C'est ultra chiant. Cette game-là, elle va durer 20 ans, les gars. Je sais pas si on va tout faire, si on va l'aspect en entier. Hein. Bon apport. Merci vieux péon. Le beau crash pour t'emmener sur une map merdique. T'as très bien résumé. T'as très bien résumé la situation. Mais même en termes de place, enfin. Je sais pas, j'ai l'impression. Je sais pas. Enfin, peut-être. Ouais, je sais pas. Non, en vrai, la place, je crois que c'est pareil pour tout le monde. Hein. C'est un peu de la merde. Il faut creuser les forêts pour gagner de la place. Oh! La merveille de Slidou! Aïe aïe aïe, pour aller le chercher, va falloir se bouger, hein, les gars. La merveille de Slidou! Ah, pour aller la chercher, mon gars, cette merveille, bonne chance, hein. Parce qu'on a l'air d'avoir une bonne armée de Chocounou. Le mec qui est le plus susceptible de le déranger, c'est c'est le Turc, hein. Turc qui, pour le coup, a pas mal de choses pour venir le déranger, hein. Il a les tours, il a
quelqu'un de bombarde éventuellement. Par contre, pas de tireur d'élite. Et Matt aussi qui vient de commencer la construction de sa merveille. Il va falloir qu'elle pop avant celle de Slidou, mais... Crying Wolf aussi. Ah là là, mais par contre, les gars, qu'on se le dise, hein. Si c'est celle de Slidou qui pop avant, ils vont devoir la rusher quoi qu'il arrive, hein. Oh putain. Cette course à relique, exactement. Le Maninou, merci beaucoup mec. Qu'est-ce que t'es parti faire à Amsterdam, Le Maninou? Retour d'Amsterdam, trop content de pouvoir te retrouver. Bonsoir tout le monde, cœur rouge. Merci beaucoup pour le resub, Le Maninou, c'est très 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 gentil mec. Bon, eh ben écoutez, on est parti pour 350 ans. Ouais, clairement c'est le studio pop avant. Salut Yann Fust. Pourquoi tu me tires la langue Yann Fust, ça va pas? J'ai pas l'impression que... Ouais si, il a quand même pas mal de... Si si. On va avoir un peu d'action, j'ai l'impression, de la part du orange là. On va avoir un peu d'action de la part du orange. Oh, du foot plus de péons. Bah il avait quand même une petite avance Liblou de toute façon, donc bon. Mais là, on a beaucoup de canons de bombarde, hein. Ça peut faire très mal, hein. À voir comment il gère la fight, comment il micro, etc. Mais c'est pas forcément GG pour Slidou, hein. Surtout que ce château, il peut tomber facilement. Même pas besoin de lander pour aller le pêcher. Suppositoire également, qui a commencé la construction de sa merveille. Intéressant. On va avoir pas mal de merveilles, les gars. Hein. Pendant que Seigneur Labrador vient de lâcher son sub, merci beaucoup. On a pas mal hein, d'armées du côté de chez Slidou, des onagres. Il aurait été intéressant peut-être aussi de faire quelques tours pour protéger cette merveille du coup, avec les chinois, tour de bombarde. Ça aurait été pas mal je pense. Mais le orange hein, qui va rentrer dans une guerre avec Slidou, j'ai l'impression. Énormément de canonniers. Canonniers qui vont tomber comme des mouches face aux janissaires et face aux onagres. Oh. Ça y est. Ah non quoi? Ah si ça y est, ok, suppositoire qui a supprimé sa merveille. Peut-être pour la refaire ailleurs, c'est étonnant. On a la merveille de Crying Wolf qui vient de popper également. Celle de Matt au final qui aura mis plus de temps à popper que toutes les autres. Bizarrement. Ça y est, elle vient de popper à l'instant. Très belle merveille des Turcs, hein, celui-ci en passant. Celle des Chinois aussi plutôt jolie. Dark Peace Gaming pour le Prime, merci beaucoup. Trois merveilles sont en jeu pour 450 années et non 350, c'est bizarre. Très 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 intéressant. Ouais ça y est, on commence à pêcher hein, pour le orange. Très bien placée celle de Slidou. Ouais il faut aller la chercher, elle est pas à portée des côtes et ça c'est un bon point. Celle de Mataliem, mais il faudrait déjà ficher, enfin ficher, docker de son côté. Typiquement là il n'y a que le violet qui peut s'en charger. Belle merveille des Italiens également. Bon du coup on devrait avoir un peu d'action. Est-ce qu'on a des bateaux de transport là? On a landé, hein, on a landé du côté de Matt. On a pêché le monastère de Slidou. On va essayer du coup de les récupérer. On rajoute un petit dock. On devrait je pense commencer à déporter un peu toutes ces unités de siège. Il va y avoir je pense une belle bataille entre le rouge et le orange. Ce qui serait terrible pour Slidou, c'est que Crying Wolf se joigne à la fête. Parce que du coup ça compliquerait énormément la défense. Mais là on devrait avoir une belle bataille je pense entre Slidou et l'orange. Ouais il construit intelligemment aussi sur l'île de Slidou pour avoir une reprod beaucoup plus rapide. Éviter d'avoir à chaque fois à lander avec les bateaux. Il lande des villageois, il a raison.
Un petit pronostic. Écoute, Slidou est quand même bon, hein, on va pas se mentir, c'est un très bon joueur. Donc mais le problème c'est que Matt, je sais pas c'est qui. Et Matt, il est top score depuis le début en fait. Donc je peux difficilement me prononcer. Après, il a des bons... Il a des bons canons de bombarde. Il a de quoi inquiéter Slidou, je pense. Je pense que ça va être très serré entre les deux. Ça va être très 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 serré. J'espère qu'on va pas avoir quelqu'un qui va se faire sandwich, histoire de pas fausser le résultat, mais pour moi ça va jouer entre ces deux-là, clairement. Les Turcs, ça aide aussi, non? Bah les Turcs, c'est pas mal, ouais. Quand on a de l'or, en tout cas, l'or ne va pas être infini. Au bout d'un moment, on en aura plus, je pense. Surtout qu'il a l'air d'avoir tout épuisé, notre ami Matt. Après, il a peut-être du stock, hein, clairement. Avec tous les gros minerais qu'il y avait. Oh, il y a de la conversion ici, là, j'ai l'impression. Hein, le violet, qui pour le coup, fait je sais pas trop quoi. Hein. Après, en fait, là, le orange, à mon sens, il a un vrai problème. C'est-à-dire que s'il pète la merveille de Slidou, eh ben, il a pas gagné pour autant parce qu'il est troisième, là, actuellement, en merveille. C'est-à-dire que s'il pète celle de Slidou, derrière, bah, il y a la merveille de Crying Wolf qui va popper à la place de celle de Slidou. Et typiquement, il va pas pouvoir gérer celle de Slidou et après gérer celle de Crying Wolf. Donc là, ce qu'il faut qu'il espère, le orange, c'est que le violet, il vienne attaquer Crying Wolf. Autrement, il va y avoir un vrai problème, hein. Va y avoir un vrai problème pour l'orange. Ouais, voilà, exactement. Faudrait exactement ça. Faudrait que le violet se charge de du sillon. Intéressant. Intéressant. En tout cas, les canons de bombarde du orange qui viennent pêcher les bâtiments forward de notre ami Slidou. Les janissaires ici qui font pas grand chose. On va commencer. En tout cas, il serait intéressant. Ah, il a bloqué ses bateaux de transport. C'est terrible. Ça y est, on commence à avoir des canons de bombarde. Si Crying Wolf la prend, sacré opportunisme. Hein. Mais ça serait tellement, tellement incroyable. Mais pour ça, il faut pusher d'abord celle de Slidou. Parce que pour le moment, c'est lui qui a la tête. Pas mal de trêve du côté de chez Slidou. Le orange qui commence enfin à avoir une armée conséquente. Quelques chameaux du coup. Chameaux qui n'est peut-être pas forcément le meilleur choix, hein, face à autant de Chocolou. Le décompte du orange est plus rapide, non? Non. Normalement, il n'y a aucune raison que ça soit plus rapide. Ne dis rien, Crying Wolf est sur le live. Ouais, bah après, je vais pas me priver de dire des choses parce qu'il y en a qui seraient sur le live pendant qu'ils jouent, tu vois. C'est pas mon problème, hein, tant pis pour eux, j'ai envie de dire. Hein. Idéalement, il serait intéressant de couper live quand vous rejoignez les games. Maintenant, si certains le font pas, c'est comme ça, c'est la vie. Hein. Elle n'est pas si loin, la merveille de Slidou. Non, non, clairement, elle est pas si loin que ça. Hein. Ça peut se pêcher, hein. Ça peut se pêcher, il y a encore le temps, 350 ans pour le coup, 340. Donc il n'est pas forcément pris de court là, Matt. A lui de faire attention. Mais écoutez, on va le voir, hein. Si au bout d'un moment de toute façon le orange dépasse les autres, c'est qu'effectivement il a une merveille qui descend plus rapidement, mais ça aurait aucun sens. Regarde la mer du côté de Slidou. Quelques bateaux de la part de Crying Wolf, rien d'inquiétant pour le moment. Mais Crying Wolf, c'est pareil, hein. S'il espère gagner, il faut à tout prix qu'il aille faire quelque chose. Enfin, il peut pas juste compter sur l'orange en pensant que l'orange peut la gagner, tu vois. Ah ouais, effectivement, attendez, celle du orange. Non, celle du cyan, pardon. J'ai l'impression qu'elle descend plus vite. Putain, vous me foutez le doute maintenant, les gars, c'est terrible. Comme je joue jamais avec les merveilles, je vous avoue que j'en sais rien. Il y a que en game FFA que je les autorise les merveilles, mais autrement en ranked on joue pas avec les merveilles, donc je manque peut-être aussi de connaissances, mais attendez, il y a des merveilles qui descendent plus vite que les autres, c'est incroyable. Non, 2 ans d'écart depuis le début, ok d'accord. Il y a un qui descend plus vite, ok, bah ban 10 minutes pour tous ceux qui ont dit que ça descendait plus vite s'il vous plaît. Merci, perturbe pas le commentateur comme ça voyons. Faut poser sa bière là, mais je te jure, les mecs sont full bourrés, c'est quand même incroyable. En tout cas, c'est extrêmement serré, ouais. Trois merveilles qui se chevauchent. Slidou,
qui a l'air d'avoir beaucoup de mal hein, à contenir le push de Mats. Les canons de bombarde sont violents. Qu'on se le dise, les Onak du coup sont très vulnérables à ça. Puisqu'on a 14 de portée contre 8, forcément. Curieux de voir ce que va faire Slidou pour protéger sa merveille. Je pense réellement qu'il aurait fallu des tours, bien qu'elle se serait fait push également. Mais je pense que les tours auraient pu justement retarder ce push. Tour de bombarde, j'entends. Belletti a juste ça, hein, qui vient de se rajouter à la compo. Oh là là, et suppositoire qui vient également s'en mêler. Ah, c'est terrible. Ça, c'était pas prévu, ça. Ce n'était clairement pas prévu, surtout qu'en termes de pop, j'ai l'impression qu'il a plus grand-chose, notre ami suppositoire. Tout perdu face à Crying Wolf. Il décide quand même de venir s'en mêler. C'est intéressant. Et ça rend la victoire de Slidou beaucoup plus compromise. Oh, que ça va être compliqué pour la merveille de Slidou. Oh, que ça va être compliqué. Terrible alliance. Bah en fait, non, ils ont pas le choix, Zoé, là. Là, c'est une alliance, mais quand t'as un gars qui a une merveille qui est susceptible de gagner, t'es obligé, en fait, de te faire sandwich. Là, c'est pour le coup, c'est totalement normal. Suppositoire, il est pas censé savoir en plus qu'il y a l'orange et tout, donc en vrai, là pour le coup c'est normal. Hein. Mais l'orange, ouais, il a une compo qui est trop forte. Il a une compo qui est trop forte, c'est instoppable ça. Là, ce qu'il faudrait, ça serait maçonnable de siège, genre, mais. Oh, le shoot dans les tirailleurs. Terrible. Suppositoire hein, qui aura fait le vaillant, ça aura pas duré très longtemps. Et effectivement, pendant ce temps-là, les Tarkans d'élite, qui je le rappelle, hein, les Tarkans d'élite qui ont un bonus sur les bâtiments. Donc autant vous dire que si les Tarkans d'élite venaient à toucher cette merveille du bout des doigts, elle tiendrait pas très longtemps. Oh, Mats, qui pour le coup là, est en train de voir ses chances de victoire revenir hein, pour le coup. De bombarde qui essaie de faire des strikes hein, dans les Shokonu. La merveille de Slidou qui pour le moment est toujours debout. Les Tarkans d'élite qui pour le moment n'ont pas accès à la merveille. Il va falloir venir jusque là. Et j'ai l'impression que c'est ce qui va se passer. Oh là, on a de l'action des deux côtés, les amis. Aïe 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 aïe. On continue de builder forward hein, du côté de chez Mats pour ramener la riprod plus facilement. Oh là là, les Tarkans qui vont bientôt avoir accès à la merveille. C'est terrible. C'est terrible. Ça y est, on y est. On a une merveille qui est menacée, les amis. Ouais, et regardez donc les HP de cette merveille. Ah, c'est fini, elle va tomber en 2 secondes. Elle va tomber en 2 secondes. Slidou qui colle le GG. Ah là là, c'est terrible. Au même moment, Crying Wolf qui perd sa merveille. C'est terrible. Deux merveilles qui s'effondrent quasiment en même temps. Et du coup, maintenant, c'est Matt qui va devoir sauvegarder la sienne. Et l'avantage, enfin l'avantage, la chance qu'a Charles le Fou, c'est qu'il a des bateaux. Et éventuellement, il pourrait avoir, je sais pas si les 1, je crois pas que les 1 ont les canons, les bateaux sur canon là. Galions de canon. Est-ce que les 1 ont les galions à canon, les gars? S'ils les ont, ils ont 100% la portée ici. Hein. Et c'est peut-être pour ça qu'on va avoir un château, peut-être, de la part de Mats. Sur la côte. Ou des ports, peut-être, pour tout simplement jouer l'eau. Les bateaux sur canon. Ouais, vous m'avez compris, les gars, vous m'avez compris. Je dois faire quoi comme ligne sachant que KV est impossible? Je sais pas, Slidou. Je pense déjà que t'aurais dû faire des tours de bombarde pour essayer de le ralentir avant qu'il décharge chez toi. Mais en termes d'unité, peut-être Shokonu bélier de siège. Ouais, Shokonu bélier de siège, je pense ça aurait pu avoir du sens. Et des tours aussi, j'avais zéro pierre. Terrible. Bah, Shokonu bélier de siège, peut-être. En tout cas, c'est intéressant, Matt, hein, qui fait une transition sur le naval. Parce qu'il a peut-être compris qu'effectivement, ça pouvait être intéressant de sauvegarder le flanc où il y a l'eau.
Mais à mon avis, ça va être une victoire demain matin, sans trop de problème. À moins que les Tarkans, par je ne sais quel miracle, venaient à se retrouver sur l'île de Matt. Autrement, je vois pas. Il joue bien ce Matt. Ouais, il est pas dégueu, hein, clairement. Il joue plutôt bien. Je sais pas du tout qui c'est. Shukunu contre autant de canons de bombarde, c'est pas bon. Bah, je sais bien. Je sais bien. Mais tu fais quoi du coup, toi, Wolf, contre cette compo-là avec Chinois? Ouais, c'est avec Chinois. Je vois pas vraiment ce que tu peux faire. Hein. Light cave. Ah, il avait quand même beaucoup de janissaires. Hein. Il avait quand même beaucoup de janissaires. Je sais pas. Bon, en tout cas, le violet, qui pour le moment... Ah si, ça y est, il a compris. Le violet, hein, qui prépare visiblement un move. Bateau de transport Tarkan sur la rive. On va essayer de décharger donc les Tarkans sur l'île. Ce qui n'est pas une mauvaise idée en soi. Pour le moment, on a que très peu de bateaux, hein, du côté de chez Matt pour intercepter justement les bateaux de transport. Donc il y a peut-être moyen de faire un move. Il y a peut-être moyen de faire un move. Cela étant dit, on a déjà Nisser, hein, quelques camels également qui sont sur l'île principale. On va pouvoir accueillir éventuellement les Tarkans qui viendraient arroger cette merveille. C'est pas normal, si si c'est normal. C'est normal dans le sens où on est sur Mega Random et qu'il y avait des ors qui étaient incroyablement épais, Wolf. Tu sais, c'est les fameux ors de Mega Random en fait. C'était des ors de 10 ou 12 blocs, je sais plus là. Je sais pas si on en a encore un ou deux, pour que je puisse te montrer, mais les ors étaient très gros. Et t'avais très exactement 3 ors sur ton île, de 12 blocs. Donc autant te dire que c'était beaucoup. Oh non! On a eu un Titanic. Je suis pas fou les gars, je crois qu'on a eu un Titanic. Terrible. Terrible de chez terrible. Il va falloir qu'il fasse attention là, notre ami Charles le Fou, qui vient de perdre un bateau avec une dizaine de Tarkans à l'intérieur. Il était vide? Ok, très bien, j'ai pas eu le temps de voir. J'ai eu peur. Il était vide, ok, très très bien. C'était pour Scoot, je pense. Bah écoute, c'est possible. Et en tout cas, ça reste très malin. On peut le voir, le bateau vide part un peu plus devant. Ce qui va permettre éventuellement de prendre l'information sur quelques bateaux. Il y a peut-être moyen de décharger ici éventuellement. Attention, attention, va vite falloir... Ouh là 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 là, qu'est-ce qu'il est attentif, hein, ce Charles le Fou. On notera par contre que Matt s'est clairement pas fait bait. Obligé de décharger du coup en détresse. Oh là là, tous ces Tarkans qui auraient pu popper sur l'île de Matt. Et qui du coup détruit ses bateaux de transport dans la foulée pour effacer toute preuve. C'est incroyable, c'est incroyable. Malheureusement pour notre ami Charles le Fou, on décharge sur la mauvaise île. Et attention, parce que les années sont en train de s'écouler. Hein. Les années sont en train de s'écouler. 140 ans. Il reste Crying Wolf également. Élément à ne pas oublier. Il s'est pris pour James Bond. J'avoue que là, on est parti sur une mission infiltration, mon gars. C'est incroyable. Hein. Incroyable. Du coup, on sait pas trop ce qu'il fait. En tout cas, les bateaux de Matt, hein, intelligemment positionnés. Et du coup, bonne réaction de la part de Matt également, qui stonewall en fait sa merveille. Donc là, maintenant, même si les Tarkans venaient arriver sur l'île, il perdrait quand même beaucoup plus de temps à devoir tuer d'abord tous les walls. On re-ramène des bateaux de transport du coup pour notre ami Charles le Fou. Matt, ouais, qui est en très bonne posture pour gagner cette game. Laisse-moi passer, Wolf. Aïe, aïe, aïe. Enfin, oui, il compte passer, en fait, notre ami. Aïe, il compte passer par là, je pense. Mais comment il peut avoir la visu que Crying Wolf est là, en fait, je comprends pas. Oh, c'est risqué, ça. C'est risqué. J'espère pour lui que ses bateaux vont tenir le coup. Hein.
Pourquoi il y a plus que les taunts? Je sais pas, il y a un bug de son là, je sais pas pourquoi, c'est... des fois ça fait ça je crois. Essayer de faire demi-tour, je pense que c'est une sage décision hein, pour Il pourrait le laisser passer, mais je crois qu'en fait il comprend même pas Crying Wolf là, il est sur un autre truc là. Là Crying Wolf il est en train de faire son move. Là, il a des bateaux. Il a des trèbes, il est occupé ici, Crying Wolf. C'est pour ça je pense qu'il a pas capté. Du coup on retente un move hein. Du côté de Charles le Fou, on va essayer peut-être plus de longer le côté de la map. Ça aurait... Ouais c'est ce qu'il fait exactement. Ouh, navire de démolition éventuellement pour protéger les Tarkans, ça va jouer à pas grand chose hein. 90 ans du côté de Matt, il va falloir se dépêcher pour les deux. Autrement la victoire va être à Matt les amis. Il va falloir se dépêcher. On a pas mal de navires de démo, je pense qu'il peut y aller là. Allez vas-y Charles le Fou, donne tout, on voit tout. Même s'il débarque c'est mort, il y a les murs. Ouais exactement, il y a les murs. C'est un vrai problème. C'est un vrai problème. Navire de démolition du coup. Bon, on va voir un Titanic là. Ah non pardon, je croyais que c'était le bateau de Crying Wolf, autant pour moi. On va pouvoir décharger, j'ai l'impression que oui. Oulala, attention. Ah il aurait pu décharger, c'est dommage. Il aurait pu décharger sur ce petit bout de terre. Du coup il décide de ouais ça y est, je crois qu'il l'a compris. Il peut éventuellement décharger. Il a peur aussi peut-être des bateaux de Crying Wolf. Ça y est, on a déchargé les Tarkans. Aucun Titanic en vue. Ok, ça y est, on y est. On y est les amis. Il reste très exactement 70 ans. On a énormément d'armées hein, du côté de chez du côté de chez Matt, largement je pense de quoi clean l'armée de Tarkan, puisqu'on a déjà initié des camels, ce qui en soi est très suffisant je pense, c'est même certain. Les trébuchets de Crying Wolf qui déchargent également sur l'île de Matt, pour combien de temps je ne sais pas, mais en tout cas ils sont bien sur l'île. Pourquoi la cam est handicapée, nous dit Charles le Fou. Parce que c'est un jeu de merde, tout simplement. Ouais, grosse fight qui fait rage ici. Les janissaires qui font très très mal aux Tarkans, on peut le voir, les Tarkans qui tombent comme des mouches. Et on a malheureusement que très peu d'armées hein, du côté de chez Crying Wolf, que quelques tirailleurs qui vont protéger ses armes de siège. Ça ne suffira pas, pendant que les 50 années viennent de descendre. Est-ce qu'on a de la riprod du côté de... Charles le Fou. Malheureusement, j'ai l'impression qu'on a plus d'armée. C'est terrible. Tous les Tarkans ont été clean. On ressort des janissaires, on ressort des hussards. Et effectivement, je pense que c'est un GG. Ah, on retente un move, hein. Malheureusement que avec des hussards ça va être impossible pour Charles le Fou de faire quoi que ce soit. Et malheureusement, les dernières armes de siège de Crying Wolf viennent de tomber. C'est une victoire de Matt le Fou, de Matt, pas Matt le Fou. Je mélange les pseudos. Et effectivement, Matt va l'avoir emporté. C'est terrible. Une belle game jusqu'au bout. Ouais, belle game de Matt. Très 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 belle game qui aura su popper sa merveille au bon moment également. Ouais bah Kemar ça après on peut pas le savoir hein. C'est je le redis hein. c'est selon la bonne foi des gens. Idéalement, il faut couper le live quand on est en FFA. Maintenant, s'ils veulent le laisser, bah tant pis, on ne pourra pas le savoir. Hein. Mais là, ça va, ça m'avait l'air assez ok. Il n'y a pas trop de stream hack, j'ai l'impression. Il n'y a pas trop de stream hack.
Deuxième homme à la merveille. Ouais, on en a pas eu beaucoup des victoires à la merveille. On en a pas eu beaucoup, hein. Je crois qu'à mon actif, je dois en avoir deux, des victoires à la merveille. Bah, du coup, là, il y a Matt qui vient d'en avoir une. Et je me demande si on en a pas eu une autre de quel... Bah, Wolf hier. Wolf aussi, victoire à la merveille. On peut même pas construire. Ouais, c'est fini, Charles le Fou. C'est fini. Belle game de maths. Très solide, hein, le maths. Hein. Je sais pas c'est qui, là, mais très, très, très bien joué. Hein. Matt, si tu m'entends, manifeste-toi dans le chat. Maten Roda. Ok, bah très bien. On voit, enfin moi perso je vois c'est qui. Maten Roda qui nous a proposé une belle prestation. Très très bien. Putain mais what, comment je peux avoir 427 unités tuées? J'ai l'impression de pas avoir joué en fait. C'est incroyable. Putain je suis même monté à 141 000, mais c'est ouf. Ok.